assez fantasmé, très gros succès, nouvelle victoire de Beauvoir pour lui et le, bien sûr amené au succès Caraconti. Une victoire attendue mais pas évidente. C'est jamais des victoires évidentes, toujours des attendues mais jamais évidentes. Et non mais moi je suis content, le poulain il a réalisé ce qu'on lui demande de faire depuis longtemps, c'était de préparer la poule. J'avoue que le terrain souple m'a un peu perturbé cette nuit parce qu'on ne sait pas réellement ses aptitudes de lourd. Et voilà, il me semble qu'il est un peu moins percutant dans ce terrain là mais il l'a fait étale de toute sa classe une fois de plus. Il a fait preuve de courage parce que tu as été obligé quand même de le solliciter un peu plus que d'habitude. On n'a pas l'habitude de le voir gagner aussi courageusement, on va dire, pas courageusement, mais enfin, de prendre autant de coups quoi, pour être obligé de vaincre. Je sais pas comment vous regardez ces courses, mais à chaque fois, je suis monté à mi-parcours, parce qu'il est souvent pris de vitesse et il termine fort. Donc honnêtement, lui mettre autant de coups, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un objectif et que la course s'est déroulée beaucoup plus tactiquement que la course précédente, les Pouliches, où il n'y avait pas réellement de rythme. Oui. On s'est retrouvé au milieu de la piste, les chevaux qui sont avantagés par l'aptitude au terrain, c'est quand même beaucoup plus évident. J'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule quand j'ai vu Thierry aller facilement entrer ligne droite. J'ai pas voulu être pris de vitesse, donc je suis plongé en dedans, alors que j'avais prévu de venir en dehors. Mais bon, voilà, c'est les courses, il faut s'adapter. Et moi, je suis ravi pour mon cheval et pour toute l'équipe. En tous les cas, bravo, c'est un trou en un. C'est un trou en un, ouais. C'est un trou que j'avais prévu de faire bien et je l'ai réussi, mais il en reste encore beaucoup. Hein. En tous les cas, tu n'es pas trompé de club. Ah non, je me trompe rarement de club. Bravo Stéphane. Merci. On va féliciter également Sébastien qui est le cavalier d'entraînement, qui les rejoint à l'instant. Voilà, Sébastien félicité par le président Bertrand Bélinguier. Et puis bien sûr, l'élevage est récompensé également pour ce succès de Caraconti et celui de Flaxman Holding qui recevra également bien sûr cette coupe qui est remise à Electra.